Et Monsieur Midat Ajdarević qui donne le coup d'envoi de cette deuxième journée de deuxième Ligue Inter ici au stade Marc Burdet, qui voit le FC Kolebosi, après un début de saison compliqué, recevoir un gros morceau, ses voisins de l'US Tersinte. L'US Tersinte actuellement deuxième de ce championnat avec 24 points, alors que les Colésiens, on le rappelle, sont pour l'instant juste en dessous de la barre avec 7 points, à 4 points du premier non relégable, le FC Montreux Sport. A noter bien évidemment que les Colésiens évoluent en rouge. L'US Tersinte va évoluer dans ses couleurs traditionnelles blanches et bleues, avec le pressing de Lopez Roca qui allonge. Attention à ce ballon qui va passer tout le monde pour Samuel Carrasso. Carrasso aux prises avec la défense. Carrasso, pied gauche. La frappe croisée, ça vient heurter le montant albanaisé qui vient mitrailler finalement au fond pour l'ouverture du score. Alors il fallait pas venir arriver en retard au stade Marc Burdet aujourd'hui. Même pas 2 minutes de jeu et déjà un but à 0. Réussite donc de Maxime Albanaisé qui vient inscrire là son second but de l'exercice. Suite à un très bon travail de Samuel Carrasso sur le côté gauche, qui a vu sa frappe être retenue par le montant gauche. Maxime Albanaisé, lui, qui avait bien suivi. Et c'est donc un but à 0 dans cette partie. Ouais, le FC Kolebosi qui fait la bonne affaire. Là, en ce début de match, qui va venir tout de suite mettre la pression sur les hommes de Dominique Coelho. Le reste est dans les 16 mètres, à l'exception de Carrasso qui attend éventuellement. Deuxième ballon avec cette tête de Canedo. Et finalement, ça termine au fond. Alors non, c'était pas Canedo qui est venu mettre cette tête. Mais effectivement, on pensait que Kevin Bailly était sur ce ballon. Finalement, le break est fait. Et du côté du FC Kolebosi. Alors effectivement, ça nous a échappé là. Le joueur qui est venu mettre la tête, c'est peut-être Daniel Roca, le défenseur central qui vient... Effectivement, ouais, c'est bien Daniel Roca qui était monté aux avant-postes et qui a pu mettre cette tête. Et c'est donc 2 à 0, deux occasions pour les Colésiens. Et 2 buts dans cette partie. On joue 8 minutes et 30 secondes. Et le FC Kolebosi qui fait la grosse affaire là en ce début de match. Pressé par Schedler. Ouais, il s'en est extrêmement bien sorti, le portier de l'US Tersinte, Di Rosa. Le 1-2, c'est bien fait. Di Rosa avec l'appel d'Acosta sur le côté droit. C'est pour lui justement, Nahuel Acosta qui hérite du ballon. Nahuel Acosta qui va se mettre sur son pied gauche. Le centre, pied gauche, superbe avec la tête de Lopez. Et ça passe à côté. Début de Loïc Fontaine. Là, il y avait une grosse opportunité pour les hommes de Dominique Coelho de revenir un petit peu à la marque. C'était sans compter ce coup de tête de Diego Lopez qui ne prendra pas le cadre de Loïc Fontaine. Avec Ntongo sur le côté gauche et la touche qui sera donnée finalement aux hommes d'Yves Mieville. Attention parce que c'est joué rapidement dans la course de Cédric Amidé. Amidé aux prises avec Di Rosa. Amidé, il n'a pas beaucoup de solutions. Voilà, il en a finalement une avec Albanaisé. Oh, le centre d'Albanaisé pour la tête de Samuel Carrasso qui a été gêné par le saut d'Alessandro Albi. Voilà, les Colésiens qui ne se font pas avoir, hein. Ils ne vont pas trop chercher ce ballon haut pour ne pas être pris derrière. Et pour l'instant, ça fonctionne extrêmement bien. Et on sent les hommes de Dominique Coelho très très empruntés dans le milieu de terrain pour construire. Mais attention, parce que ça c'est très bien fait. Le 1-2 de Diego Lopez qui va se présenter seul face à Fontaine. Et la réduction du score de Diego Lopez. À la 30e minute, superbe. Le 1-2 du buteur et numéro 9, Diego Lopez. Et il y aura uniquement Islin Ntongo qui fera office de mur du côté de Tersinte. Albi, lui, est venu se mettre plus ou moins au premier poteau. Et Schedler, ouais, c'est bien tiré avec finalement Maxime Albanaisé ou Samuel Carrasso. C'est Samuel Carrasso qui a pu venir couper ce centre de Jonathan Schedler. Et troisième but, deuxième réussite de la saison pour le numéro 13, Samuel Carrasso. Et encore une fois, la patte de Jonathan Schedler qui arrive à venir trouver un coéquipier. Et Jonathan Schedler, pied droit, pour peut-être venir à nouveau trouver un coéquipier. Encore une fois, c'est bien frappé. Et Carrasso qui peut toucher finalement le sauvetage sur la ligne de Julien Gollet. Ouais, c'était très très chaud, on n'est pas passé loin du quatrième but côté Colésien. Et encore une fois, ça vient d'une merveille de ballon de Jonathan Schedler. Et toujours l'inévitable Samuel Carrasso. Et attention à cette nouvelle possibilité pour le numéro 10 Colésien. Et là encore, c'est bien frappé. Et là encore, ça termine au fond, le doublé de Daniel Roca qui, encore une fois, est absolument tout seul. Là, dans les 16 mètres, quatrième but, Colésien. 40e minute et donc le doublé de Daniel Roca qui est monté sur les corners et qui a pu à chaque fois venir prendre à défaut la défense de l'US Tersinte. Encore une fois, Fontaine, il va envoyer un long ballon devant.
Hamidé qui va tenter de se battre, ouais, c'est bien fait, c'était pas facile à contrôler. Kerouet dans Hamidé à nouveau, Hamidé avec l'intervention d'Albi un petit peu chanceuse, et Schedler qui peut pousser pour Albanese, Albanese la reprise. Ouais, il en a trop mis là, Maxime Albanese, et encore une fois, ça part de Jonathan Schedler avec encore une superbe vision du jeu là, et encore un ballon quasiment au millimètre pour Maxime Albanese. Mais effectivement, cette défense... Et les milieux défensifs de Colésiens sont vraiment bien en place et ils semblent compliqués à manier aujourd'hui. Albi qui va tout de même pouvoir centrer avec, attention, ce ballon qui traîne, Ntongo qui peut finalement frapper et Loïc Fontaine qui peut s'emparer du cuir. La frappe n'était pas assez puissante hein, pour venir prendre à défaut le portier colésien. Fabio Albi, le capitaine. Albi pour son frère Alessandro. Alessandro qui s'appuie derrière sur Dupéché. Dupéché, retour à Alessandro Albi. Albi qui va repiquer dans l'axe, attention, le petit ballon piqué d'Albi, c'est bien fait pour la tête de Lopez qui ne pourra toucher, il a été bien gêné par Roca, alors que Monsieur Midat Ajdarevic met un terme à cette première période qui voit le FC Kolebosi retourner au vestiaire avec cet avantage de 3 buts, score 4 buts 1 pour les Chevaliers des Réussites tout d'abord. De Maxime Albanese, puis de Daniel Roca, réduction du score de Diego Lopez, puis il y a eu un but de Samuel Carrasso et finalement le doublé de Daniel Roca pour donner ce quatrième but aux Colésiens. 4 à 1 donc à la mi-temps, on se retrouve tout de suite pour la seconde période entre le FC Kolebosi et l'US Terre Sainte. Et Monsieur Midat Ajdarevic qui donne le coup d'envoi de cette seconde période entre le FC Kolebosi et l'US Terre Sainte. On rappelle que Monsieur Ajdarevic est assisté des Messieurs Jonathan Rouillet et Florent Hunziker et que le score à la mi-temps est en faveur du FC Kolebosi qui mène sur le score de 4 buts à 1. Deux buts inscrits rapidement hein, en début de match et puis il y a eu la réduction du score de Diego Lopez, le numéro 9 de l'US Terre Sainte avant... Deux autres buts colésiens la tête pour Kevin Bailly. Bailly ouais, qui est bien sorti et qui a pu jouer le 1-2 avec Di Rosa. Di Rosa qui relance tout de suite. Ah, c'est très bien fait ça de Nahuel Acosta sur Wana Essende. Acosta toujours s'appuie sur Ntongo. Ntongo pour Di Rosa. Finalement, intervention d'un colésien. Mais Acosta qui peut à nouveau trouver un coéquipier là avec la frappe de Di Rosa. Une frappe... un petit peu dévissé là de la part de Di Rosa. Pas de souci pour Loïc Fontaine qui va pouvoir effectuer le premier 6 mètres de cette seconde période. Et pas de changement a priori hein, au début de cette seconde période. Sauf bien évidemment erreur de ma part. Et Ntongo qui a été trouvé par Di Rosa. Ntongo qui va profiter de la montée de Dupéché de l'autre côté. Dupéché avec un bon centre au second poteau pour la tête de Diego Lopez. Un ballon un petit peu haut tout de même pour le buteur de l'US Terre Sainte qui n'a pas pu rabattre son coup de tête. Et c'est un nouveau 6 mètres pour Loïc Fontaine. Et Théo Di Rosa donc pour venir frapper ce coup franc qu'il a lui-même gagné. Et c'est bien frappé directement avec finalement Fontaine qui peut dévier sur son poteau. Trop. Et Jonathan Schedler qui va pouvoir se lancer pied droit pour le numéro 10 du FC Kolebosi. C'est tenté directement. Oh, c'est pas passé loin ça. Kevin Bailly qui s'était étendu sur son côté droit et qui est tout heureux de voir cette frappe de Jonathan Schedler fuir son cadre. On en reste à 4 buts à 1. Et le 6 mètres donc pour l'ancien portier du FC Genolier Bonien. Di Rosa il a Salustiano au côté gauche. Di Rosa il met une passe finalement ouais, pour Albi Mutombo qui a failli pouvoir intercepter. Et on va remonter avec Salustiano à nouveau. Salustiano qui va repiquer dans l'axe. Salustiano avec Di Rosa. Di Rosa qui pousse pour Lopez dans les 16 mètres. La frappe de Lopez s'est renvoyée par Fontaine. Et finalement, il y a un homme qui traînait par là pour inscrire le deuxième but de l'US Terre Sainte. 4 buts à 2 donc et nouvelle réduction du score. Et bien évidemment, c'est l'inévitable. Salustiano, nouvel entrant numéro 15 qui inscrit là... sa dixième réussite de l'année, qui peut se targuer aussi d'avoir une des meilleures attaques du championnat. Mais alors là, on est ni dans les deux, ni dans les trois premiers, mais plutôt quatrième attaque de ce championnat. Et Mutombo pour allonger un ballon, oui, ça c'est bien fait, dans la course de Cédric Hamidé qui a pris tout le monde de vitesse. Il ouvre le pied et le but de Cédric Hamidé, passe décisive de Malik Mutombo pour le cinquième but colésien, 5 à 2 donc ce soir, 74e minute. Et Cédric Hamidé qui est donc récompensé de ses efforts avec cette cinquième réussite de la saison pour le numéro 9, lui qui aura beaucoup couru devant, beaucoup proposé de solutions et qui aura énormément pesé sur cette défense de l'US Terre Sainte qui a été trouvée dans sa course par le nouvel entrant Malik Mutombo.
Et c'est l'entrée de Kevin Capt et son numéro 11 du côté colésien. Kevin Capt, c'est un but cette saison. Et attention, Dirossa en position de centre. Le centre de Dirossa pour la tête, finalement, de Carbois. Et là encore, hein, la tête, elle est pas assez puissante pour venir prendre à défaut Loïc Fontaine. Bien repris hein, par le dernier entrant côté Collet Bossy, Erol Ameti. Et Golet qui s'est bien battu pour renvoyer, mais il renvoie directement sur Brito qui manque complètement son affaire. C'était à destination de Kevin Capt. Alors que monsieur Midat Ajdarevic met un terme à cette partie qui voit le FC Collet Bossy s'imposer dans son stade Marc Burdet face au dauphin du CS chinois dans cette deuxième ligue inter sur le score de 5 buts à 2, score à la mi-temps 4-1 en faveur des hommes d'Yves Miéville, qui ont fait vraiment un match plein aujourd'hui, un match complet. Ils auront été solides et ils auront peut-être eu la réussite qui leur manquait depuis le début de saison. On espère en tout cas pour eux que ça va véritablement lancer leur saison 2017-2018. Il restera un match à ces deux équipes au premier tour avant un match de coupe et on se retrouvera bien évidemment par la suite l'année prochaine. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. On va bien évidemment avant de se quitter retrouver les impressions des acteurs de ce match. On se retrouve très prochainement sur footmag.ch pour d'autres aventures footballistiques. Franchement, on a très bien commencé le match. C'est vrai que les deux buts qu'on a marqués au début, ça nous a aidé beaucoup, beaucoup. Après, on était vraiment solides, ils sont une très belle équipe, ils ont presque gagné tous les matchs. Et c'est vrai que nous, après le deuxième mi-temps, on a répondu, on a pris un but, après on a marqué le cinquième. Et après, on était vraiment solides derrière, toute l'équipe en défense, très content pour la victoire. Ouais, puis alors une première mi-temps que vous avez menée de main de maître, hein, score 4-1 à la mi-temps. Et puis finalement, en deuxième mi-temps, les débats qui se sont un petit peu équilibrés. Bon, vous avez reculé un petit peu pour bloquer. Est-ce que, effectivement, cette première mi-temps, c'est une mi-temps sur laquelle vous allez vous appuyer pour la suite de la saison? C'est clair. La mentalité qu'on a eue la première mi-temps, ça c'est la base qu'on doit avoir pour les deuxième tours et pour le dernier match contre Lille. On a un match très important la semaine prochaine. Si on gagne, on a 13 points, on est bien. Et c'est vrai que ça, c'est la mentalité qu'on doit avoir au deuxième tour, tout le tour. Voilà, effectivement, donc là, vous revenez gentiment sur Montreux qui n'a pas encore joué sa 12e journée. Donc pour l'instant, vous êtes virtuellement à 1 point, éventuellement à 4 points si Montreux gagne. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, plus que les 3 points, c'est vraiment l'état d'esprit, vraiment les choses qui manquaient en début de saison au FC Collet Bossy. Ça a fonctionné aujourd'hui, par exemple, la réussite devant les buts. On rappelle les deux premières actions, ces deux goals. Est-ce que c'est ça qui manquait vraiment au FC Collet Bossy? Ouais, exactement, franchement, il y a beaucoup de choses qui sont manquées. C'est la défense, c'est le milieu de terrain, c'est l'attaque. Je crois qu'on a une équipe. Franchement, on n'a pas trop bien réussi la première partie de la saison, mais c'est tous ensemble qu'on va s'en sortir. C'est la base de la première mi-temps. Ça, c'est les bases qu'on doit prendre pour le deuxième temps. Et puis, vous marquez un doublé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes habitué à marquer des goals, justement? Et puis, qu'est-ce que ça fait de venir inscrire un doublé aujourd'hui, surtout face à une très belle équipe de l'US Terre-Sainte? Honnêtement, je ne savais pas quoi faire. J'ai marqué le premier route, je ne savais pas quoi faire. Deuxième, j'étais... Non, j'étais très content, franchement. Mais le plus important aujourd'hui, c'était les 3 points. C'était avant Perli, c'était vraiment important d'avoir les 3 points. C'était clair que marquer des routes, moi, ça fait un an et demi que je suis à collège. C'était mon premier route, mes deux premières routes, je suis très content. Mais surtout, la victoire de l'équipe, c'est très, très important. Ouais, puis comme vous dites, donc prochain match, dernier match de championnat avant la trêve, il y aura quand même un match de coupe. Déplacement à Perli, déplacement qui va être difficile face à la lanterne rouge. Là, les 3 points, c'est vraiment obligatoire. Ouais, c'est capital. On va s'entraîner cette semaine fort. Comme on a dit avant, c'était la base de la première mi-temps. Et après, on va y aller à Perli, gagner les 3 points. Et on verra si on peut sortir avec la première partie de la saison avec 13 points. Ça serait très important pour nous. Comment on peut expliquer? Bien entendu, on ne s'y attendait absolument pas. On prépare toujours nos matchs pour pouvoir les gagner. Il s'avérait que quand au bout de 8 minutes, vous perdez déjà 2-0 sur des erreurs d'inattention, c'est complètement compliqué de pouvoir revenir, si ce n'est qu'on l'avait fait l'année passée, mais chaque match a son histoire. Donc je vais dire qu'aujourd'hui, on fait un non-match, on a été en dessous de tout, nous concernant. En plus de ça, c'est qu'on avait un adversaire, comme vous dites, c'est jamais facile de pouvoir jouer des équipes qui sont au bord de la relégation, tout au moins en dessous de la barre. Donc c'est des pièges à éviter. Je dirais que la jeunesse de mon équipe et le caractère de l'adversaire a fait toute la différence. Alors effectivement, comme vous dites, vous encaissez 2 buts très rapidement. Est-ce que ce sont ces 2 buts qui vous mettent en difficulté ou est-ce que c'est vraiment l'état d'esprit en commençant ce match qui vous a mis en difficulté? Je peux pas
Je ne peux pas accepter l'état d'esprit, puisque l'état d'esprit il est bon au départ. Je dirais, on sort quand même d'une situation où on n'a qu'une défaite sur le premier tour. Non, ce n'est pas un problème d'état d'esprit, c'est un problème ce soir de capacité et de qualité de mon équipe. Je ne l'ai pas reconnu, donc quelque part, quand je ne reconnais pas mon équipe, l'adversaire s'y engouffre et c'est beaucoup plus facile de pouvoir nous marquer des goals. Ce soir, qu'est-ce que je peux rajouter de plus, mis à part qu'on était très mauvais. Donc, à partir de là, c'est toujours compliqué de gagner. De gagner les matchs. On a tout essayé, hein. On est passé à 3 derrière, on est passé 4 attaquants, on a essayé de piocher là où de s'accrocher, là où on pouvait s'accrocher, on revient 2-1, on s'imagine que les choses vont être relativement intéressantes pour nous, on prend 3 goals sur coup de pied arrêté, donc on a cruellement marqué de caractère, je ne vais même pas parler d'efficacité, quand vous marquez 2 buts à l'extérieur, c'est toujours prenable, là ce soir vous en prenez 5, et sur les 5 il y a 3 buts sur coup de pied arrêté. Donc à partir de là, on manque cruellement de caractère dans la zone de vérité. Et ce soir, ça nous a prêté défaut. Oui. Donc un match à oublier ce soir pour Terre Sainte, avant de recevoir le FC Monterrey en dernier match de championnat de ce premier tour. Là, ça va être victoire obligatoire pour relancer justement cette dynamique de victoire pour Terre Sainte et puis mieux entamer le deuxième tour comme vous aviez entamé le premier, c'est-à-dire avec des séries de victoires consécutives. Oui, bien entendu. Je dirais que nous, chaque match a son histoire. Aujourd'hui, on est venu prendre une leçon, je dirais pas de réaliste, surtout de caractère. Face à une équipe qui a joué son va-tout. Maintenant, préparer la suite, déjà on va essayer de comprendre et d'analyser à l'intérieur du groupe pourquoi on arrive à prendre autant de buts. La semaine passée, on reçoit Bernay, on prend un but sur coup de pied arrêté, et ce soir on enchaîne avec 3 buts de plus. Donc il va falloir changer surtout les mentalités sur les aspects défensifs. Et puis après on va pouvoir se canaliser sur Monterrey, sur lequel il faudra tout faire pour pouvoir gagner ce match, et ça ne va pas encore être une partie de plaisir, hein, parce que Monterrey aujourd'hui, je dirais que c'est une équipe qui fait partie pour moi des favoris, une très belle équipe, et aujourd'hui on est face à une difficulté qui est la nôtre, et il va falloir absorber tout ça et réfléchir pour préparer Monterrey effectivement.